Bonjour à tous, c'est Asgard et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui au programme, l'épisode 2 de Paper Please. Alors, on s'était arrêté dans le précédent épisode à la journée 4. On va donc partir à la journée 5 dans notre rôle de douanier de l'Arzotska, poste frontière. Donc, jour 5, on s'était arrêté là. Athlète, républicain recherché, j'ai 5 crédits, 4 membres de la famille, 0 jetons, appartement C8. On va donc regarder le journal du jour, 27 novembre 82. Athlète, républicain recherché pour meurtre, 20, Vince Lestrade, en cavale, a probablement quitté la République. Alors peut-être que Vince Lestrade, qui est recherché pour meurtre, peut-être a-t-il passé la douane, qui sait. Qui est Vince Lestrade? Il tue sa fiancée par jalousie. Donc voilà, quelqu'un en tout cas recherché pour meurtre. Nous partons au travail. 27 novembre 82. Notre poste frontière m'avait manqué. Je l'aime bien, ce petit poste frontière. Inspecteur, vous êtes désormais autorisé à placer en détention les individus suspects. Interroger un entrant à propos de toute anomalie pour activer l'option arrêter. Gloire à l'Arzotska. Maintenant, je peux arrêter les gens. Franchement, c'était pas drôle avant. Et alors, au niveau des règles, on reste aux mêmes règles que dans le jour 4. Donc les passeports sont exigés pour tous les entrants, plus un permis d'entrée pour les étrangers. Les citoyens doivent montrer leur carte d'identité, tout papier doit être en cours de validité. Bon, si on essayait de faire tout ça vite, et au mieux, je vais mettre la carte régionale. Je vais demander aux gens de venir, suivant, et j'ouvre. Voici la première personne qui se présente. Papier, s'il vous plaît. Alors, je vous prie, c'est une dame. Quel est le motif de votre voyage? Je vais venir vivre ici. Donc, immigration. Elle s'appelle Janice Larkin. C'est bon. Ah, un problème d'anomalie ici, entre ça et ça. Interrogez, mademoiselle. Il y a une anomalie ici, mais de quoi parlez-vous? Et attendez. Ne me placez pas en détention, je vous en prie. Refusez mon visa et je m'en irai. Non, madame, je vous arrête. Vous avez tenté de rentrer sans me donner d'explication valable. Vous êtes arrêté. Suivant. Je ne relâche pas les personnes. Papier, s'il vous plaît. Quel est le motif de votre voyage? Je serai en transit dans le pays. Durée du séjour. Je vais rester à peine 2 jours. Jusque-là, c'est parfait. Alors, d'achat. Shmeleva, ça correspond. 9 CPLE, KS9GB, ça correspond aussi. Ça expire. Ah, il y a un problème ici. Le passeport, vous avez tous des problèmes aujourd'hui ou quoi? Nos paniers repérés. Vous avez un passeport qui est pas en règle. Vous ne pouvez pas rentrer avec un document expiré. Ça doit être une faute de typographie. Bah oui, bah, je suis désolé, je vous refuse l'entrée. Alors, je ne peux pas vous arrêter, vous. Donc, je ne le ferai pas. Et voilà. Personne suivante. Vraiment, on a laissé rentrer personne. Peut-être aujourd'hui. Alors, papier, s'il vous plaît. Le motif de votre voyage. Je serai en transit. En Arzotska, durée du séjour. 2 jours. C'est Vince Lestrade. C'est celui qui a... Mon Dieu. Alors, attendez. Il faut que je reprenne mon journal. Vince Lestrade. Anomalie repérée. Vous êtes Vince Lestrade. Bon sang. Écoutez, si je n'ai pas la tuer, c'est un coup monté, ne croyez pas les mensonges républicains, je vous en prie, laissez-moi passer. Jamais, je vais vous arrêter, vous êtes un terroriste, je l'ai lu dans la presse, et moi j'écoute ce que le glorieux journal de l'Arzotska me donne, et donc voilà encore quelqu'un d'arrêter. Décidément, aujourd'hui, personne ne rentre. On a décidé ça, aujourd'hui, personne ne rentre. Monsieur, papier, s'il vous plaît, le motif de votre voyage. Je vais ailleurs, je ne serai ici qu'en transit, durée du séjour, je vais rester deux semaines. Ok, ça expire le 10 décembre 82, c'est bon. TGRH1SHXPC, c'est bon. Tobias Ryder. Jusque là, tout va bien, c'est pas mal. Est-ce que la photo correspond? Ou est-ce que j'exagère? Ah non, hein, la photo ne correspond pas. Votre visage a changé, c'est une vieille photo. Ok, les empreintes. Allez, voici les empreintes. Aucun alias connu.
Les empreintes doivent correspondre à ces données. On va vérifier si ça correspond. J'ai pas l'impression. Non, ça correspond pas. Regardez là, la deuxième empreinte. Je peux vérifier vos empreintes digitales, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Non, je vais vous arrêter en plus. Il y a trop de choses qui semblent bizarres. Personne ne rentre aujourd'hui. Je refuse que des gens passent dans mon glorieux pays, l'Arzoska. Ça fait du bien de se sentir un peu dans une dictature. Non, je rigole. Alors, motif de travail, je suis pas ici par choix, je déteste ce foutu pays, je ne fais que passer durée du séjour aussi courte possible, 2 jours. Oh là, tu veux rentrer dans mon pays, tu dis que mon pays, il est pas beau. Je vais te trouver un truc sur ton passeport, toi. Aurora Strachan. Jusque là, c'est bon, jusque là, c'est bon, c'est une femme Orista City, c'est VLPFD7HM, c'est correct. Alors, je vais juste voir, par exemple, les documents au niveau du permis d'entrée. Ouais, le logo est bon, donc madame, ça c'est bon, malheureusement, c'est celle qui insulte mon pays que je vais devoir laisser rentrer. Elle vient de la Fédération Unie. Corista City, c'est correct. Bon, allez, madame. Ok, je vous laisse rentrer. Ah, j'aurais pu refuser, hein, mais non, j'ai aucune raison de refuser. Je dois vous laisser rentrer. Et en plus, elle soupira les personnes suivantes. Et j'ai raison de la laisser passer, elle sait bien. Bonjour madame, papier s'il vous plaît, le motif de votre voyage, j'ai l'intention de travailler, ok, durée du séjour, 1 mois, expire 11 du 12, vous appelez Michaela Lindahl, c'est correct, LK6JT, ok, c'est correct, la photo correspond, ok, moi ça m'a l'air bon, ça vient de l'import, et il y a bien, ah bah non, il n'y a pas Boston. Anomalie repérée, c'est un faux passeport, madame. La ville d'émission est incorrecte. Non, 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 mais je vais devoir vous arrêter. C'est pas normal, on fait pas des erreurs pareilles sur un passeport. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, dehors. Donc, sur 6, j'en ai arrêté 5, c'est ça? Allez, suivant. Ah bah oui, on rigole pas. Hein. Vous êtes pas tombé sur un flemmard, vous êtes tombé sur un vrai, vrai fonctionnaire. Le motif de votre âge, de votre voyage, immigration, monsieur. Très bien. Donc c'est à vie forcément. Expire au 13 du 12 82. Balou Prasanna X07NBHW5H8. Alors 15 du 6 84. Ça correct. Tout ça me paraît correct. 15 du 6 84. Préfecture Glorian. Vous êtes de l'Antéglie, vous. Ouais. Ouais, bon, en plus, vous voulez immigrer dans le pays, ça veut dire que vous aimez bien Artoska. Allez, vous pouvez y aller, ne troublez pas l'ordre public. J'ai toujours peur de voir ici le petit mot qui me dit que j'ai fait une erreur. Papier, s'il vous plaît, monsieur, le motif de votre voyage. Aujourd'hui est un grand jour, mon ami, nous allons enfin libérer la tyrannie antègre. Qu'est-ce que vous racontez? Ah oui, ok, donc c'est l'immigration, avis, c'est bon. Piotr Vostok, VHS, c'est correct, c'est correct. L'Antégli, Glorian, c'est correct. Bon, allez, je vais vite mettre un visa d'entrée et comme ça, je peux vite en prendre un autre. S'il vous plaît, soyez sympa avec ma femme, elle est juste derrière moi. Ah, ça par contre, je peux rien vous promettre, hein, monsieur. Femme ou pas, papier, s'il vous plaît. Vous avez vu mon mari, il a pu passer, n'est-ce pas? Ben oui, mais vous, le problème, madame, c'est que vous n'avez pas votre permis d'entrée. Donc, comme vous n'avez pas votre permis d'entrée, allez, donnez-le-moi, votre permis d'entrée, madame. S'il vous plaît, je vous en prie, ils n'ont pas voulu me donner de permis, je n'avais pas le choix, ils me tueront si je retourne en Antégrie. Ah non, madame, vous me prenez par les sentiments, je ne peux pas vous laisser passer. Je dois nourrir ma famille, au revoir, madame. Pourquoi? Ben parce que voilà, vous me condamnez à mort, peut-être, mais il fallait avoir un permis d'entrée. Ah, repasser demain à 6 h. Mince alors, il m'a manqué peu de choses. Alors, jour 5, votre fils est malade. Il a besoin de médicaments. Amélioration de box est disponible. Espace pour le mode inspection. Ok, donc. Ils ont tous faim et mon fils est malade. Non, je vais devoir donner des médicaments à mon fils. Hein. Oh, j'améliore le box. Que fait-on? Ils ont faim en plus. Ils vont avoir froid après. Allez, j'améliore pas le box. Je vais passer, on va passer au jour 6. Ma famille et mon fils avant tout. Je pense que je peux y arriver.
Je peux y arriver. Allez, passer au jour 6, on passe au 28 novembre 82. Le travail se fait rare. Les immigrés prennent-ils nos emplois? Tiens, tiens, ce sont des thématiques que l'on connaît aussi. Toute ressemblance avec une situation réelle est évidemment purement fortuite. Vince et Lestrade appréhendaient Agrestine. Ils auraient dû mettre par un formidable douanier. Le champion d'athlétisme est sous les verrous. Allez au travail. Le 28 novembre 82, c'est le jour 6. Le ministère du Travail en a instauré un programme spécial visant à contrôler le travail des immigrés. Les personnes entrant dans le but de travailler devront présenter une autorisation de travail valide. Donc, on récapitule. Les citoyens ont besoin d'une carte d'identité et d'un passeport. Les étrangers ont besoin d'un permis d'entrée. Plus passeport. Et donc, plus autorisation de travail s'ils veulent travailler. Je note tout ça pour pas aller pouvoir voir dans le règlement à chaque fois. Oui, le travail se fait rare, forcément, donc on va regarder tout ça. Allez, le règlement, carte régionale. On ouvre. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Le motif de votre voyage, voilà quelqu'un qui vient pour le travail. Durée du séjour, vous comptez rester 60 jours, c'est bien 2 mois. Donc, on va regarder plusieurs choses. Ajalto Store, c'est bon. L, 0, N, R, J, R, N, V, Q, c'est bon. Motif travail. Expire au 20 du 12 1982. J'en suis content, tout va bien. Altstor, secteur alimentaire, 1 du 2 1983. Est-ce que le logo correspond? Je sais que parfois il y a des problèmes avec les logos. Ok, j'ai retenu à peu près les logos qui étaient autorisés. Ça m'a l'air en ordre. Préfecture de Védor. Il y a beaucoup de choses à regarder, hein. Alors qu'en Koléchi, préfecture de Védor, monsieur, je vous autorise à aller travailler chez nous. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ne troublez pas l'ordre public. Suivant. C'est bon, je ne me suis pas trompé. On continue. Papier, s'il vous plaît, mademoiselle. Toujours autorisation de travail. Le motif de votre voyage est un boulot ici, durée du séjour. La moitié de l'année. Oh, tenez. Encore? Non, 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 ça ne m'intéresse pas du tout. On ne me corrompt pas. Alors, si elle essaie de me corrompre, c'est que des choses ne vont pas. Bon, alors, vérifions d'abord par rapport à son passeport. Michel, bon, on va vérifier sur le plus petit. Alimentaire, terme, Michel Boniskavec. C'est bon, Michel Boniskavec, c'est bon. C'est bon, travail 6 mois, expire au 22 du 12 1982, c'est correct. Ça ressemble, tout ça va bien. Je vais regarder maintenant pour la carte en Obristan. Il faut que j'aille un peu plus vite. Hein. Scal existe. Bon, allez, apparemment, visa d'entrée, je vous autorise. Allez bosser, allez bosser, allez bosser. Et ne retentez pas. Pitié, aidez-moi. Un certain Daryl Udu nous a promis un bon travail en Arsenal, moi et ma soeur. J'ai peur qu'il prenne nos passeports pour nous forcer à nous prostituer. Il est plus loin dans la fiche. Je vous en prie, faites quelque chose. Ok. Ok, je vais garder ce papier. Dari Ludoum, papier s'il vous plaît. Le motif de votre voyage, je viens travailler. Durée du séjour, je vais rester 1 mois. Ok, Potorovic, PCTAGSC169. Ok, ça me paraît bon. Potorovic, c'est bon dans l'agriculture, c'est bon. Par contre, anomalie repérée, la photo n'est pas la même. J'ai recours à de la chirurgie. Eh bien, on va prendre vos empreintes. Voilà. Ah oui, madame, c'est des fausses empreintes. Est-ce que la chirurgie, vous n'êtes au courant de rien, c'est ça? Allez, je vous arrête. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, enfin, vous n'avez pas les bonnes empreintes, il n'y a rien. Rien, 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 rien. Allez, suivant, on continue. C'est vous, Daryl Udoum? Ah, alors lui, Ivan Denovic. Il est né en 40, 178 cm, 82 kg. Ok, district Lend.
Dix formats. Alors, documents, carte d'identité. Les dix formats, c'est un bon district. Ça me paraît nickel. Artoska. Parasidna. Ok. Et ça me paraît aussi bon. Je vous laisse rentrer. Cher monsieur, c'est approuvé. Bravo. Gloire Artoska. Évidemment, gloire Artoska. Alors, suivant, suivant, suivant. Ah, papier, s'il vous plaît, on l'a déjà vu, copain, bonjour, me voilà encore. Ok, ce coup-ci, tout doit être ok. Ben non, tout n'est pas ok. Dans les documents, cher monsieur, il vous manque le permis d'entrée. Bah oui. Oh. Pardon. Oui, c'est là que je dois regarder. Anomalie repérée, interrogée, il me manque un permis d'entrée. Ah, dis donc, toi, c'est super marrant. Hein, quoi? Ok, bah c'est refusé. Peut-être qu'un jour, notre ami, il arrivera à rentrer. Allez, entrée refusée. Mon permis d'entrée est obligatoire. Waouh, c'est une frontière très stricte ici. C'est bien, ça te fait bon travail. Merci. Ok, bah il va revenir avec un truc d'entrée. Ça sera avec grand plaisir. Madame, bonjour. Papier, s'il vous plaît. Quel est le motif de votre voyage? Visite. Durée du séjour? 2 mois. Ok, alors vous appelez Yula Gouseva, ça c'est bon. V55F est heureux, ok. 17 du 12 82. Ok. Alors l'intégrie, c'est Gloran Prime. Je suis désolé madame, mais il y a un problème là, entre ça et ça. Anomalie repérée, c'est pas vraiment pareil. La vie d'émission est incorrecte, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vous arrête, c'est pas du tout normal. Veuillez préparer vos documents s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe? Allez, dehors, on traîne pas, on fait venir les autres personnes. Et on avance. Bonjour monsieur. Voici Daryl Oudoum, citoyen d'Artoska. Si tu passes, je te filerai une fille bien. Hors de question que je te fasse passer. Et malheureusement, je vais peut-être pas avoir le choix. C'est lui qui veut prostituer. Vous en prie, faites quelque chose. Ouais, malheureusement, s'il a toutes les bonnes informations, je n'aurai pas le choix. Ah! Non. Ah non, mince alors. Ouais, Christine S, je suis quasi certain que ça y est, hein. Est-ce que je peux refuser? Allez, je refuse votre entrée sur le territoire. Il va sûrement se plaindre et peut-être recevoir une amende. Non. Ah ouais, via l'entrant était en règle, avertissement, pas de pénalité. Ouais, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que voilà, j'ai voulu. Alors lui va rendre visite à ses amis. Durée du séjour, j'ai prévu de rester 2 semaines. Ok, Katerina Rindin, c'est bon. Ok, Katmakla, 15, 12, 82, c'est parfait. Gungala, Clorian. Aïe, 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 le passeport, madame, le passeport, il est expiré. Anomalie repérée, interrogée. Vous pouvez pas rentrer avec un document expiré, je ne suis au courant de rien. Ben oui, mais c'est expiré, madame. Allez, je refuse. Voilà. Au revoir. Allez, un dernier. 18h. Monsieur, bonjour. Papier, s'il vous plaît. Quel est le motif de votre voyage? Immigration. Donc, c'est à vie. 7TU 39 V4. Ok. Ioannis Omnic. C'est correct. Tout ça m'a l'air parfait. Ok. Vous ressemblez bien à la photo. La Kolechi. Carte régionale de la Kolechi. Il y a Védor qui est dedans. Alors, monsieur, je vous laisse rentrer avec grand plaisir. Il est 18h et on me laisse encore. Allez, suivant. Bonjour madame, papier s'il vous plaît. Le motif de votre voyage, vous venez visiter. Durée du séjour, je compte rester 1 mois. 19 du 12 1982. C'est bon, c'est 4. Que se passe-t-il? Pour la Kolechi? Oh! Un attentat. Aïe 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 aïe. Mais je pou... Il était en ordre. Moi je fais pas détecteur de métaux, moi je vérifie seulement si tout va bien. Donc là j'ai une journée de travail a été interrompue par une attaque terroriste. Amélioration de box disponible. Espace pour le mode inspection. Bon, je vais pas les chauffer. Aujourd'hui je décide d'améliorer mon box. Vu que tout va bien. J'améliore mon box, il y a une attaque terroriste. Moi, je veux vraiment être
vraiment être au top, c'est obligatoire. Allons dormir, jour 7. Nouvelle attaque au poste de frontière de Glycina. Oui, c'était la deuxième. Un kamikaze passe à travers les mailles de la sécurité. Oui, mais c'est pas moi la sécurité. Hein. Moi, je fais que vérifier si leurs papiers sont en ordre. Moi, je n'y suis pour rien. Gloire Artoska. Meurtre dans un club de Glycina en plus. Bon, quelles mesures de sécurité va-t-on prendre en ce 29 novembre 1982 ? Inspecteur, afin de permettre des inspections plus poussées, un scanner de fouille a été installé dans votre box. Ben oui. Ah voilà, maintenant je vais devoir passer à la fouille. Des extrémistes collèges sont soupçonnés ensuite à l'attentat d'hier. Je dois fouiller tous les collèges avant d'approuver leur entrée. J'aime pas trop ça. C'est pas mon boulot. Moi je veux juste vérifier leur papier. Et on fouille les gens uniquement parce qu'ils sont collèges. Enfin bon, gloire Artoska. Corréler l'entrée adéquate du règlement avec une infraction pour accéder à de nouvelles options. Corréler la contrebande des armes ou les armes découvertes avec l'entrée adéquate au règlement. Nouvelle attaque, ok. Bon. Il y a eu des nouvelles choses dans les règles. Ni armes ni contrebande. Autorisation de travail exigée, ça je sais. Ça c'est fait. Amélioration. Un raccourci pour l'inspection. Ok, donc si j'appuie sur espace... Ok, ça m'a coûté 5$, juste appuyer sur espace. Ouais. Bon. Allez, suivant. 5$ pour un raccourci espace. Papier, s'il vous plaît. Vous venez d'où, madame? Le motif de votre voyage? Visite. Durée du séjour, j'ai prévu de rester 12 semaines, ça fait bien 3 mois. Ok. 27 du 12 82, c'est bon. Stack, stack, stack. Katia, Usang, c'est bon. Ici aussi. Donc ça, je vous autorise. Maintenant, durée du séjour, c'est quoi? Visite, ok. 84. Alors, est-ce qu'en Koleshi, on a Yurko? C'est bon. F. Ok. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment je fais en sorte de vous fouiller. Attendez. Ouais, mince alors. Comment est-ce que je vais... Tout collège doit être fouillé. Bon, ben voilà. Regardons un petit peu. Ah, vous devez vous soumettre à une fouille aléatoire. Fouiller. Mais passez-vous face au scanner. Ok, c'est des photos. Voilà la dame. Bon, il n'y a rien. A priori, c'est correct. Donc, madame, je vous accorde l'autorisation de rentrer, même si vous êtes collège. Ne troublez pas l'ordre public, s'il vous plaît. Suivant. Ouf, visiblement, elle pouvait rentrer. Elle. Bonjour, madame. Papier, s'il vous plaît. Le motif de votre voyage, vous venez pour du travail, j'imagine. Ah, c'est monsieur, pardon. Durée du séjour, je compte rester la moitié de l'année. Ok, c'était monsieur, pardon. Ok, Allison Keane. C'est un monsieur qui s'appelle Allison, c'est ça? Et tout le monde trouve ça normal. Bon, alors moi aussi, hein. Ok, alors, son visa de travail, architecture 1 du 6-83, c'est correct. Il vient d'import. Et Tsukendo, alors moi je dis ok. Ouais, c'est pas normal, j'en accepte trop aujourd'hui. C'est le deuxième de suite pour lequel il n'y a pas de problème. L'entrée n'est pas garantie. Suivant. Ah ben voilà. Ben voilà, genre invalide, il y avait bien un problème, je l'ai repéré. Et ouais, pas de pénalité. J'aurais dû faire autrement, mais j'ai pas pu. Alors, visite, durée du séjour, je compte rester 12 semaines. Ok, alors vous de toute façon, vu que vous êtes collège... Je vais de toute manière, en les règles de base, vous demander d'être fouillé. On verra le reste après. Vous devez vous soumettre à une fouille aléatoire. Je vous fouille. Pendant ce temps-là, je vérifie si tout colle ici. Ici, c'est bon. Alors, madame, il n'y a pas de souci. La Koleshi, il y a bien Védor.
tout va bien. Approuvé. Voilà. Voilà. Vous pouvez rentrer. Ne troublez pas l'ordre public. Allez, on continue. On avance, on avance, on avance. Papier, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous venez d'Arzotska, vous. Alors, Polony Vasklav. La date de naissance est correcte. Vous faites 174 cm, 78 kilos. Christine, je sais que c'est dedans. Le passeport expire en 84. Le district, par contre. Est-ce que le district de Gerinostra existe? Ok. Bon, j'ai rien à vous dire. Approuvé. Ok. Aujourd'hui, on les laisse tous rentrer. J'espère que je ferai pas d'erreur. Ah, waouh, j'en ravalide encore. Dernier avertissement, pas de pénalité. Oh là là, ok, d'accord. Alors, visite, durée du séjour, vais rester 8 semaines. Voilà, je suis désolé, mais enfin, j'ai un problème avec le genre des gens, mais en même temps, voilà quoi. Enfin, je sais pas moi si c'est des hommes ou si c'est des femmes. Alors, Jinsun, alors voilà, lui par contre, de toute façon, je vais le fouiller. Règle de base parce qu'il est collège. Anomalie repérée, interrogée, vous allez devoir vous soumettre, ok, fouillez. Alors pendant ce temps-là, donc, toi, tout va bien de ce côté-là. 31. Ah, par contre, ouais, de toute façon, il y a un problème. Il y a plus qu'un problème. D'abord, vous avez un couteau dans le dos, et ensuite, Glestine West. Ah si, peut-être que ça existe en Koléchi. Comment ça? Ah oui, aucune corrélation. Alors, règle de base, je dois faire ceci, mettre le couteau là, ni arme ni contrebande. Anomalie repérée. Monsieur, je vais vous arrêter, vous tentez de rentrer avec une arme, vous n'aurez pas dû venir ici. Quoi? Ah oui, attendez là. Ah bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah évidemment, hein. Évidemment, vous allez être arrêté. Possession d'armes, vous imaginez quoi? Allez, suivant, on y va. J'espère que ça va faire réfléchir les autres. Papier, s'il vous plaît, monsieur, le motif de votre voyage. Une visite chez des amis. Durée du séjour, 2 mois. 2 mois de visite chez des amis, c'est louche. De toute façon, vous êtes collège, vous devez être fouillé. Sérieusement, vous partez 2 mois en vacances chez vos amis, vous? Allez, fouille aléatoire. Michael, sans façon en plus, ouais. Voilà, visite 2 mois, 15 du 12 82, c'est correct. Passez-vous face au scanner. Christine, ouais, j'imagine que ça doit exister en Koléchien. Voilà, c'est bien un homme, il a rien. 13 du 2 84, M, il n'y a rien qui me choque vraiment. Je vous autorise à rentrer. Attention, c'est le dernier avertissement, je peux plus me tromper, moi. Ok, celui-là c'était bon. Suivant. Papier, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Le motif de votre voyage. Je vais rendre visite à des proches pendant 3 mois. Ok, vous êtes de Koléchi. Alors si vous êtes de Koléchi, de toute manière, je dois vous fouiller. Vous mettrez une fouille aléatoire. Voilà, fouille. Alors pendant ce temps-là, Shadi, Safadi. Ok, visite 3 mois 82, tout va bien. C'est un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ni arme ni contrebande. Anomalie repérée. C'est quoi ça? Vous n'auriez pas dû venir ici, monsieur. C'est si visible que ça. Ah bah oui. Ce sont que des médicaments inoffensifs. Je vous donne 10 crédits si vous me laissez passer. On ne peut pas corrompre un fonctionnaire de l'Arzoska. Il a vraiment bien. Sale chien! Bah oui! Bah pour mon obéissance, il me paye, oui. Bah oui. Bah évidemment. Bonjour madame. Motif de votre voyage. Une visite de 2 mois. Alors, vous appelez Iliona Reis. Boucle. Ok. Visite durée 2 mois. 24 du 12 82. Ça c'est correct. Alors, vous êtes une femme. Alors en Obristan, ça fait longtemps que j'ai plus de quelqu'un qui venait. J'ai plus quelqu'un qui venait d'Obristan. Mergerousse, c'est correct. Ouais, j'espère ne pas me tromper en faisant corps dans l'entrée. Hein. Tous les pas l'ordre public. Suivant. Quelqu'un d'autre. Allez. Ce qui font ça toute la journée, c'est long. Allez, c'est la dernière. Motif de votre voyage. Travail, durée du séjour. Je vais rester 12 semaines pour travailler. Ok. Et vous venez de Koléchi? Bon, allez, il faut vous fouiller, madame. De toute façon, là, j'ai le temps. Donc, ni arme ni contrebande, tout collège doit être fouillé.
Soumettre à une fouille aléatoire, je vous fouille. 23 du 4, alors pendant ce temps-là, je vérifie. Bovander, Luc, TKHKMDLWLW, travail, 3 mois. Ok, avez-vous des choix? Oh là 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 là! Mais enfin! Mais enfin! Ça amène de la contrebande et puis après. Comment ça, aucune corrélation? Elle m'a dit repérer quand même, voilà, vous n'aurez pas dû venir ici. Je comprends pas, comment ça vous comprenez pas? Eh ben maintenant vous allez comprendre, un instant s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Bah je vous mets en prison! Allez, dehors! Voilà, deux erreurs aujourd'hui sur le genre en plus, à chaque fois. C'était le jour 7, votre fils est malade et a besoin de médicaments. Alors ils ont froid, ils ont faim, mon fils a besoin de médicaments. Oh là 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 là. Ouais, j'ai pas été très 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 optimal. On va essayer quand même de garder toute la famille en vie, hein. Ça serait quand même assez sympa. À prendre des médicaments pour le fils, éviter que les gens soient trop malades, bien sûr. Bon, allez, on va s'arrêter là, fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode, l'épisode 3 de Paper Please dans la République d'Artoska. Qu'attend notre douanier? C'est une grande question quand même. En tout cas, il y a beaucoup de tensions entre les pays à la frontière et je dois essayer, j'ai beaucoup plus d'informations à essayer d'observer, d'analyser. C'est pas facile, hein. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch pour les diffusions en direct aussi sur d'autres jeux. Je vous donne rendez-vous aussi sur Facebook et sur Twitter. N'oubliez pas un commentaire, un like, un follow, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Merci. À très bientôt à vous. Ciao, ciao.